Le président du conseil municipal, maire de la ville de Mossenjou, Éric Blaise Ngouloubi Saï, a été suspendu de ses fonctions, conformément à l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, daté du 21 novembre 2019. L'un des conseillers municipaux de cette ville en séjour à Pointe-Noire, Albert Maloulanzambi, donne ici les raisons de cette suspension. Nous avons reçu une plainte du chemin de fer Congo-Océan. Et le chemin de fer Congo-Océan portait plainte contre le président du conseil, maire de la ville, et contre le conseil. Parce que, semble-t-il, quand le CFCO a découvert qu'on était en train de trafiquer des coupons de rail de Mossenjou pour venir vendre ici à ceux qui en achètent, quand ils ont interpellé le président du conseil, ce dernier leur aurait dit que c'est sur instruction ou sur directive du conseil. Donc nous étions interpellés en tant que conseillers, parce que la loi dit que le conseil règle ses affaires propres par délibération. Or, à notre connaissance, nous n'avions pas pris une délibération autorisant le président du conseil à créer, je ne sais pas, une entreprise ou quoi, pour permettre aux gens de donner des autorisations, d'abord vendre les autorisations, aux gens pour aller découper les rails. Le distingué conseiller Albert Maloulanzambi revient aussi sur ce qui pourrait arriver après cette période de suspension. Il peut se passer plusieurs choses. Je vous en dis juste deux. Première chose, s'il est acquitté, il doit, je crois, reprendre son service. Deuxième cas, M. Ngouloumbi ne s'en sort pas. C'est ce que dit la loi. J'ai l'article ici, c'est l'article 64 de la loi 7, qui dit que lorsque le maire fait des conneries, excusez-moi du terme impropre, il doit être suspendu. D'abord, pour qu'on l'entende, pour qu'on rassemble le dossier, pour qu'on... Et puis, quand il y a des preuves, il est révoqué du conseiller du bureau. Cette crise qui sévit au sein du conseil municipal de la ville de Mossenjou n'est pas sans conséquence sur l'harmonie des citoyens de cette ville. Dans tous les cas, la lutte contre les antivaleurs s'impose. Et, dur à l'ex, cède l'ex, dure est la loi, mais c'est la loi.